Monsieur Yessi Boukhalfa, bonjour. Bonjour, madame. Alors, le plan de croissance 2020-2024 inscrit les renouvelables comme un domaine à forte valeur ajoutée au-delà des intentions et des discours. Quelles sont les actions engagées concrètement pour exploiter ce gisement solaire inépuisable dont jouit aujourd'hui l'Algérie? On est dans la phase exécution ou dans la phase intention, monsieur Boukhalfa? Ben, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans la phase d'intention. On parle des choses que l'on va pouvoir faire. Mais on ne voit pas des actions qui se mettent en place qui permettraient de lancer la machine de manière durable. Alors en 2015, déjà les renouvelables étaient considérés comme étant un secteur hautement stratégique. Qu'est-ce qui bloque? Parce que l'intention était d'installer déjà 400 MW, on est juste à 190. Non, ce qui a été installé, c'est autour de 400 MW, mais les 190, c'est plus des capacités industrielles de production. Je dirais que sur un certain nombre de choses, le travail qui a été fait par le commissariat aux énergies renouvelables a permis de cerner les problèmes qui ont fait que ce programme des énergies renouvelables n'a pas connu d'application, principalement parce qu'il y a eu des réticences énormes au niveau de ceux qui étaient chargés d'appliquer ce programme-là, et donc pendant des années, il y a eu des remises en cause régulières, malgré les professions de foi. En 2011, on parlait de 22 gigawatts, en 2015, c'était la même chose. Et puis donc, on est toujours allé dans le même sens, sans passer à la phase de réalisation, de concrétisation. Mais le problème essentiel, c'est la distribution en raison essentiellement de la subvention du prix de l'électricité fabriquée à partir du gaz. C'est un des aspects qui empêche le développement d'un marché libre. Puisque, comme vous le savez très bien, que le fait que le coût du kilowattheure qui est mis à la disposition des utilisateurs, donc il est tellement bas qu'on ne peut pas installer des systèmes solaires selon les lois du marché. C'est-à-dire que si vous mettez une installation solaire et que vous la payez de votre proche, ça va se mettre, je dirais presque c'est en dizaines d'années pour pouvoir assurer sa rentabilité. Donc personne ne va le faire sauf s'il y a des contraintes qui peuvent être d'ordre technique ou d'ordre de sécurité qui en font au fond uniquement un marché de niche et non pas un marché dans lequel le déploiement pourrait être fait à large, c'est-à-dire de manière très importante. Mais comment lever toutes ces contraintes dont on parle depuis quand même pratiquement une dizaine d'années, puisque nous savons que ce gisement est extrêmement important, il y va aussi de la sécurité énergétique du pays. Je pense que ça c'est l'élément clé qui va nous permettre de sortir de cette situation, puisque maintenant on considère que la problématique énergétique, ça devient une sécurité énergétique, ça fait partie de la sécurité énergétique du pays. Il y a aussi la volonté de sortir du tout fossile, c'est-à-dire que de laisser une partie des réserves aux générations futures, et donc la compensation au niveau donc de la production d'énergie ne pourrait venir que d'une autre source, telles que les énergies renouvelables ou bien les économies d'énergie qui pourraient être faites dans ce domaine-là. Oui, mais cette question de sécurité énergétique, est-ce qu'elle est primordiale? Puisque dans le bilan énergétique national pour l'année dernière, le ministère de l'Énergie indiquait que la consommation finale d'énergie s'élève à 50,4 millions de TEP en 2019 contre 48,1 millions de TEP en 2018, ce qui indique une hausse pratiquement de 8% et à horizon 2023. Et c'est aussi indiqué dans le rapport de le plan de croissance, on aura du mal à exporter ce gaz, on ne va le consommer mais pour, bien sûr, la demande nationale. L'arbitrage, il est clair. C'est-à-dire que si on continue à consommer le gaz pour la production nationale, et il y aura de moins en moins de quantités disponibles à l'exportation. C'est pour ça que je pense que les derniers éléments qui ont été avancés par les différentes institutions, qui consistent donc à remplacer une partie de la consommation et de l'alimenter avec les énergies renouvelables, c'est un signe qui permettrait d'aller dans ce sens-là. Mais je pense que dans la pratique, on manque encore d'un plan de déploiement, on manque encore de vision très claire.
et on manque encore d'objectifs chiffrés. C'est-à-dire que dans le domaine des énergies renouvelables, on parle de 4000 MW en 2024, on est déjà en 2021, nous n'avons encore rien fait. Et donc, on parle qu'en mois de juin, on va lancer les appels d'offres, alors que si on devait le lancer au mois de juin, ça veut dire qu'on a déjà mis en place l'ensemble des éléments qui sont donc le cahier des charges, les organisations, l'organisation nécessaire, les entités qui doivent le faire, les moyens financiers, tout cela doit être mis en place. Et je ne pense pas que dans ce laps de temps très court, on pourra y arriver. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Accélérer aujourd'hui les appels d'offres, le lancer le plus vite possible, de telle sorte à booster un peu ce marché, à avoir bien sûr une réponse favorable pour aller vers l'exploitation de ce gisement hautement important, puisqu'on est dans une situation plutôt difficile actuellement. C'est clair qu'il faut lancer des actions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'abord, il y a un certain nombre de choses qui ont été laissées de côté, qui avaient été initiées par exemple en 2018 avec le lancement des 150 MW de la CREG. On a attribué 50 MW et les 100 autres MW n'ont pas encore été remis sur la table. Ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû attendre. C'est-à-dire que si vous faites le calcul, maintenant le retard se chiffre en année rien que pour ce projet-là. Alors, qu'est-ce que c'est que de lancer un appel d'offres avec 100 MW? Et là, on aurait dû le faire depuis déjà au moins 2019 ou 2020. En 2021, on ne l'a pas encore fait. Après, il faut qu'il y ait un élargissement des applications. Dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, on a fait des calculs. Il y a 400 000 hectares qui n'ont pas d'énergie. Et alors qu'on sait pertinemment que c'est devenu la priorité nationale dans ce domaine-là, alors qu'on peut mettre des installations solaires pour alimenter donc les exploitations agricoles, on peut faire des économies du gasoil, c'est donc les objectifs de l'État pour 2021, de ne pas importer du gasoil. Donc il y a un certain nombre de secteurs qui sont demandeurs d'énergie, et on n'est pas en train de les regarder. On est en train de travailler sur des échéances. On parle de 1000 MW par an. Pour nous, si déjà au niveau de l'agriculture, on pouvait lancer 100 ou 200 MW, si au niveau du secteur de oil and gas, puisque Sonatrach aussi a des projections dans ce domaine-là, s'il pouvait lancer aussi 100 à 200 MW, vous allez voir que rapidement, vous allez avoir 200, 300 ou bien même 500 MW pour pouvoir donc lancer la machine. Une fois que la machine elle est lancée, vous allez donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs, non pas seulement les acteurs locaux, mais les acteurs internationaux. Et à ce moment-là, il va y avoir le retour de la confiance. Il va y avoir des gens qui vont venir pour pouvoir investir. Je voudrais juste rappeler quelque chose qu'on oublie souvent. C'est que à l'échelle internationale, le développement des énergies renouvelables est un des axes majeurs dans les politiques de décarbonation, par exemple, de l'Union européenne. On parle de 2050 et on sera à ce niveau-là. C'est un développement à l'international faramineux, et nous, on a besoin d'être à l'intérieur. Et vous ne pouvez pas réfléchir ou raisonner d'être dans ces objectifs en 2050, et vous n'avez pas en place une industrie, vous n'avez pas en place des entreprises, vous n'avez pas en place l'ingénierie qui va pouvoir vous aider à faire face à ça. Mais qui pourrait exploiter ces renouvelables aujourd'hui? Le potentiel algérien a-t-il les capacités nécessaires pour exploiter ce gisement hautement important? Puisque la volonté aujourd'hui, je reprends bien sûr la déclaration du Premier ministre, la volonté aujourd'hui c'est de s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures et aller vers les énergies renouvelables n'est plus un choix pour le gouvernement, mais une nécessité impérieuse vu les fluctuations des cours du pétrole. Ça fait des années qu'on entend parler de ce discours-là. Je pense qu'aujourd'hui, on attend des actes. Et les actes, c'est vraiment de commencer à mettre en place le programme des énergies renouvelables. On n'est pas en train de dire qu'il faut absolument réaliser des 1000 MW par an. Par contre, si la machine elle est mise en branle et que donc si les projets commencent à être réalisés, on va voir une création importante d'entreprises, on va avoir la création d'emplois dans ce domaine-là, et on doit donner la priorité
aux entreprises locales. Mais comment faut-il procéder aujourd'hui pour bien sûr mettre en place toute cette politique? Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une volonté de créer une entreprise bis similaire à Sonelgaz qui ne s'occuperait que des énergies renouvelables, alors que nous avions des instruments par le passé. Par exemple, si on devait reprendre NIL ou bien aussi AEC, Algerian Energy Company. Donc, ce sont elles existent, là. Voilà. Donc, si elles n'ont pas pu quand même travailler, il faut le dire. NIL carrément a été pratiquement dissoute. Oui, et maintenant, si vous prenez le cas de ces entreprises-là, il faut les regarder, il faut voir s'il est possible de les reprendre ou bien de leur donner les compétences qu'elles ont perdues ou bien de nouvelles compétences. Ce qu'il faut surtout s'assurer, c'est qu'elles ont lancé des projets dans le domaine de ce qu'on appelle le project finance, c'est-à-dire que c'est des projets qui vont permettre d'avoir les investisseurs, les financiers et toute l'organisation pour réaliser des centrales et de produire de l'énergie. Donc ça, ils savent faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder. D'abord, commencer si ces entités sont capables de le faire, parce qu'on va gagner du temps. Maintenant, si elles ne le sont pas capables de faire, même si cette création d'entreprise dont parle le professeur Chitou, qui pourrait peut-être être une solution, mais je pense qu'on gagnerait à l'élargir à d'autres intervenants. Et ne pas uniquement concentrer le développement des énergies renouvelables sur la base des entités publiques. C'est-à-dire qu'on l'a vu déjà par le passé comment cela s'est passé. Et si on veut que les choses s'améliorent, il faut aussi que le secteur privé soit impliqué et de manière importante. Mais en récréant une nouvelle entité, une nouvelle entreprise, on va perdre beaucoup de temps. Du temps, de l'argent. On en a déjà perdu suffisamment. C'est-à-dire que les gens vont passer beaucoup de temps à essayer d'apprendre. Il y aura encore les mêmes erreurs qui auront été commises par le passé. Et puis, on aura toujours l'impression de recréer encore de nouvelles façons de faire, alors que ces choses-là existent, elles sont déjà connues et maîtrisées à travers le monde, donc on peut rapidement utiliser ces dispositifs ou bien ces modèles économiques. Mais le potentiel, par exemple, les entreprises algériennes, par rapport à leur implication dans cette dynamique ou politique, bien sûr, d'exploitation des renouvelables, comment sont-elles ? Elles ont le savoir-faire nécessaire où il va falloir impérativement aller également faire des appels d'offres internationaux. Écoutez, je pense que les appels d'offres doivent d'abord concerner les acteurs locaux parce que il y a depuis un certain nombre d'années, les industriels ont investi dans ce domaine-là suite à l'appel des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas fait de leur propre chef. Puisque une des conditions qui était exigée pour le lancement des énergies renouvelables chez nous, c'était de les adosser à un volet industriel. Donc les gens ont répondu favorablement. Aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a des investissements qui ont été faits et qu'on va les effacer comme ça d'un revers de main en disant que maintenant, non, c'est pas ma politique, c'est la politique de ceux qui étaient là auparavant. J'ai une nouvelle politique et je fais un peu de manière différente. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que, quand même qu'on prenne en compte ce qui existe, qu'il faut aussi l'accompagner, parce que la problématique des énergies renouvelables, c'est que le développement technologique est très très rapide, ce qui fait qu'au bout de 3 ans, si vous n'avez pas votre unité qui est en train de travailler, elle est obsolète. Il y a de l'obsolescence qui s'annonce. Et donc là, il faut encore faire d'autres investissements. Il faut qu'il y ait l'accompagnement. Les pouvoirs publics doivent accompagner ces acteurs-là. On doit créer ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage et pour pouvoir donc permettre de fournir un kilowattheure très compétitif dans ce domaine-là. Mais le prix du kilowattheure est déterminant aujourd'hui. Ben oui, entre le subventionné et bien sûr le conventionnel fabriqué à partir du gaz, parce qu'on a tendance à oublier que l'électricité est fabriquée à partir du gaz. Ben elle est subventionnée déjà depuis très longtemps. Et moi, j'appelle aussi les pouvoirs publics à nous dire quel est réellement le coût du kilowattheure qui est produit à partir du cycle combiné et des autres sources conventionnelles. On a souvent jeté la pierre aux énergies renouvelables en disant que c'était très cher. Le monde entier aujourd'hui est en train de dire que ce n'est pas du tout vrai, qu'on est en train d'aller vers des coûts très très bas. Ça veut dire que maintenant, on doit aussi regarder ça dans le détail de ce qui se fait chez nous, pour connaître exactement le coût du kilowattheure, sachant que
vous avez pratiquement 8 000 à 9 000 mégawatts de capacité de production d'électricité qui ne travaillent pas toute l'année. Alors, à quel coût ces centrales sont en train de produire leur électricité? Alors, monsieur Yessi Bourhanfa, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects pour aller vers une optimisation de l'exploitation des énergies renouvelables dans notre pays, qui n'est plus un choix, tel que l'avait indiqué le Premier ministre. C'est une nécessité absolue pour sortir de la dépendance des hydrocarbures qui sont soumis, bien sûr, aux fluctuations des marchés internationaux. Un jour, c'est un prix fort, un jour, c'est un prix bas. Alors, aujourd'hui, vous avez, par exemple, le commissariat à l'énergie renouvelable qui a, bien sûr, mis en place un rapport qui est considéré comme un document de référence pour pouvoir mettre en place la véritable politique, bien sûr, en faisant d'abord un état des lieux de ce qui a été réalisé, parce que depuis 2011, on en parle, mais on n'a rien fait. Effectivement, on peut considérer que c'est un document de référence dans ce domaine-là, puisqu'il reprend les péripéties du développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Algérie. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une institution de l'État. Ce n'est pas uniquement ce que disent les experts, puisque ce qui se trouve à l'intérieur, c'est bien, c'est déjà une reprise de pas mal de propositions, ou bien de l'analyse des experts dans ce domaine-là. Et puis, il est quand même intéressant d'examiner qu'il y a des propositions qui vont à l'encontre de la démarche qui avait été instaurée par les pouvoirs publics dans le domaine des énergies renouvelables. Si vous voulez, on peut faire quelques éléments ou parler de quelques éléments dans ce domaine-là. Je citerai par exemple le cas du fait que on est plus dans ce domaine-là orienté vers ce qu'on appelle la décentralisation de la production d'énergie à partir du renouvelable et non de faire des grosses installations, des grosses centrales. C'est-à-dire qu'on doit sortir de la démarche de mettre des 1200 et des 1400 mégawatts tel que ça a été conçu jusqu'à présent pour travailler sur des capacités de quelques kilowatts au niveau du résidentiel, quelques mégawatts au niveau, par exemple, de la moyenne tension. Ça, c'est une des approches qui a été proposée, qui est donc une approche internationale. Et puis, elle a comme corollaire la création de postes d'emploi et beaucoup d'entreprises. Ça, c'est un des éléments. Ensuite, vous avez aussi un regard qui est porté sur la pointe, puisque le groupe Sonel Gaz a comme obligation de couvrir la pointe de l'été. Donc, la problématique de cette pointe, on doit la traiter, parce que c'est celle-là aujourd'hui qui nous fait beaucoup de mal. On considère qu'on ne peut pas avoir des coupures d'électricité durant la période estivale à cause de la demande de la climatisation. Donc il faut regarder ça au niveau donc des produits qui sont mis sur le marché, mais aussi sur des moyens de pouvoir donc absorber cette pointe-là. Et donc les techniques existent, elles sont bien rodées, on peut les exploiter chez nous. Alors aujourd'hui, bien sûr, cette problématique elle est cernée, il y a eu le constat, mais outre la nécessité d'instaurer des incitations permettant une baisse de la consommation domestique, est-ce qu'on peut considérer que le système de subvention des carburants et d'électricité est absolument à revoir pour instaurer un outil plus ciblé et plus juste socialement, c'est-à-dire permettre aussi l'émergence de la production des renouvelables? Il y a des techniques dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression chez nous que... Toutes ces questions doivent être discutées ouvertement. Elles doivent être discutées, mais aussi il faut faire participer les acteurs dans ce domaine-là. C'est-à-dire quand on parle de subvention, on a toujours l'impression qu'on va multiplier le tarif de l'électricité par 2, par 3 ou par 4 et on va laisser les gens se débrouiller. Ce n'est pas l'approche qui est préconisée dans beaucoup de pays du monde. On doit mettre en place un mécanisme pour soutenir ce changement. L'objectif, c'est que à la fin du mois ou du trimestre, vous payez le même montant de la facture à l'intérieur que le tarif a été multiplié par 2 ou par 3. En général, les gens, ce n'est pas ça qui va les importer, c'est ce qu'ils payent sur la facture. Donc, il faudrait s'arranger pour que on mette en place le mécanisme nécessaire pour assurer
par exemple l'isolation thermique, un regard très détaillé sur les produits qui sont utilisés, par exemple les réfrigérateurs et les climatiseurs, pour qu'on ne puisse utiliser que ceux qui consomment le moins d'énergie. Il y a des techniques dans ce domaine-là, il y a des institutions qui doivent aussi être relancées, à l'exemple de l'APRU, parce qu'il faut quand même, le rôle de l'APRU est primordial si on veut que cette notion d'efficacité énergétique puisse être utilisée de manière efficiente. Voilà, par exemple, il y a donc énormément de choses qu'il est capable de faire. Par contre, ce qu'il faut bien considérer, c'est que c'est une démarche à long terme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler sur la base d'une année. Vous êtes obligé de mettre en place un programme sur 5 ou 10 ans et d'être très rigoureux dans sa mise en œuvre. Et ça, je ne sais pas si les politiques sont prêts à le faire. Mais est-ce qu'on peut considérer déjà à l'étape où nous sommes, puisque 2011, on avait déjà un plan un programme national de développement des énergies renouvelables. 2015, on avait considéré que les énergies renouvelables, c'était une stratégie nationale. Le président de la République, cette fois-ci, a indiqué qu'il faut absolument aller vers cette transition énergétique. Il a mis en place un ministère dédié à la transition énergétique. Il prend en charge aussi les renouvelables. Il y a aussi le commissariat à l'énergie renouvelable auprès du Premier ministre. Le Premier ministre a indiqué... On a perdu trop de temps pour agir. Je ne voulais pas dire, parce que ça fait maintenant des années qu'on dit la même chose. Et que... Pourtant, l'Algérie, depuis 2011, compte se positionner comme un acteur majeur dans la production de l'électricité à partir de la filière notamment photovoltaïque, parce que c'est le solaire qui est aujourd'hui un gisement inépuisable pour nous. Je pense que notre grand challenge, c'est de pouvoir faire cette transition énergétique, d'utiliser le gaz naturel et de pouvoir donc le remplacer par les énergies renouvelables. Et donc ça, c'est vraiment le grand challenge que l'on doit pouvoir lever. Et on doit le faire avec l'ensemble des acteurs. Donc nous attendons que les pouvoirs publics puissent être des facilitateurs et qui accompagne les acteurs dans ce domaine-là. On a besoin que l'industrie travaille. Je vous prends un exemple concret. Cette différenciation dans le traitement de ce dossier-là. Le ministère de l'Industrie a mis en place une réglementation donc, pour soutenir le panneau solaire photovoltaïque. Et donc, il a fixé des objectifs en disant que si vous voulez bénéficier des avantages, vous devez avoir 20% d'intégration nationale. Et ensuite, on nous donne 4 années pour pouvoir donc monter encore à 40%, puis 60%. Or, si vous voulez faire cette intégration, c'est-à-dire que vous allez utiliser beaucoup de composants et d'intrants locaux, il faut que vous ayez en place un marché suffisamment important pour que les industriels puissent participer au niveau de soit des composants, soit des intrants, ou bien de la sous-traitance. Or, c'est-à-dire que dans ce domaine-là, quand on entend parler qu'on va chercher cette technologie chez les autres, qu'on va inviter les autres à venir installer et puis partir, ça ne marche pas. Et ça, ce n'est pas de bons signaux qu'on est en train d'envoyer. Il faut qu'il y ait une synergie entre les différents ministères qui travaillent ensemble et qu'ils nous disent comment on va y aller. Et la participation ou bien la concordance entre une approche du ministère de la Transition énergétique et celui de l'industrie doivent aller dans le même sens, c'est-à-dire que utiliser les produits et les services locaux, créer les conditions pour que d'autres encore puissent rentrer et investir dans ce domaine-là, créer la création d'emplois, impliquer l'université et la recherche et le développement dans ce domaine-là. Le CDER, il y a d'autres aussi, le CRTSE dans ce domaine-là, il y a les universités aussi qui travaillent, il y a les écoles, etc. Et donc on doit impliquer tout ce beau monde-là pour pouvoir aller dans le sens de l'adoption, parce qu'il faut qu'on adopte d'abord les énergies renouvelables comme un nouveau moyen de production et de consommation d'énergie dans ce domaine-là, et travailler à la mise en place d'une politique claire, visible pour l'ensemble des parties prenantes. Mais est-ce qu'on peut considérer entre, par exemple, l'industrie actuellement et le secteur, le ministère de la Transition, il n'y a pas cette concordance pour aller vers cette intégration qui est indispensable pour éviter que cela ne se transforme en importation nette?
comme SKD, le SKD pour l'automobile ou pour l'électroménager. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vision qui a été mise en place, donc qui consiste à créer les conditions favorables pour qu'il puisse y avoir les intrants fabriqués localement ou transformés et de la sous-traitance. On est en train de le faire déjà ? Oui, c'est les dispositifs donc, ont été donc, mis en place. Et hier, je pense que vous avez eu l'occasion d'en parler avec M. Adel Ben Sassi dans ce domaine-là. Et donc là, il y a des choses que le ministère de l'Industrie est en train de mettre en place pour accompagner les différentes industries. Et donc, l'avantage que nous avons, c'est qu'ils nous ont écoutés. Et donc, le panneau solaire photovoltaïque est éligible à ces aides et facilités. Donc maintenant, on demande à ce que aussi ceux qui sont maintenant là pour pouvoir donc mettre en place les programmes des énergies renouvelables, qu'ils prennent en compte ces exigences sur le plan industriel pour qu'il puisse y avoir une concordance dans l'approche. Alors, concordance dans l'approche, le potentiel algérien, les entreprises algériennes sont-elles prêtes? Est-ce qu'elles ont les capacités pourvu qu'elles soient aujourd'hui sollicitées? Bien sûr, les entreprises, elles sont toujours là. Il y a donc des investissements qui ont été faits. Il y a de nouveaux investissements qui vont démarrer dans les prochaines semaines. À cause de la Covid, là, il y a eu du retard qui a été fait. Mais ces investisseurs, aujourd'hui, sont vraiment très inquiets parce que les éléments d'information qui sont distillés par les pouvoirs publics ne vont pas dans le sens de les rassurer pour leur dire « Écoutez, allez-y, nous on va vous accompagner. Quelles sont les choses sur lesquelles on peut vous aider ?» Aujourd'hui, on nous dit pas ça. On nous dit seulement « Vous êtes cher, etc. et on va ramener de Chine, on va ramener de telle autre partie du monde. » Et donc, on va faire travailler les entreprises de ces pays-là et pas les entreprises locales. C'est pas possible, ça. Il faut, par exemple, des moyens de soutien à ces entreprises impérativement pour qu'elles puissent produire, puisque nous savons aujourd'hui qu'avec le photovoltaïque, on ne va pas emmener, c'est-à-dire, puisque le point faible aujourd'hui de Sonelgaz, c'est le transport, on ne va pas emmener l'électricité jusqu'au dernier coin du pays. Ben, l'avantage, c'est le fait que vous avez les énergies renouvelables, principalement sur le photovoltaïque. C'est une énergie qui est décentralisée. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une quantité d'énergie dans un endroit donné, qu'il soit à 100 km du réseau, vous pouvez l'alimenter. Qu'il soit aussi à l'intérieur du réseau, vous pouvez aussi l'alimenter. Et on constate, c'est que les centres de consommation, ils sont en or. Or, si on veut imaginer une production massive des énergies renouvelables, elle ne peut pas uniquement être placée sur les hauts plateaux. On peut imaginer que sur le littoral aussi, on peut le faire soit au niveau des domiciles ou bien des constructions sur lesquelles il faut réfléchir sur la meilleure moyenne de pouvoir utiliser. Il y a aussi d'autres applications qui sont aussi en train d'émerger. C'est l'utilisation des barrages pour lesquels on pourrait mettre énormément des kilomètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques sur l'eau, et ça va permettre de produire de l'électricité à proximité des centres de consommation. Sur le plan technologique, sur le plan de la technicité, ça existe, on peut le faire. Il faut qu'il y ait un programme, il faut qu'il soit mis en œuvre, il faut que les pouvoirs publics accompagnent les acteurs. C'est aux acteurs de pouvoir donc travailler dans ce domaine-là, de fournir des solutions, de proposer aussi des tarifs de plus en plus compétitifs parce qu'on va donner la possibilité aux gens de pouvoir travailler. Mais est-ce qu'il est impératif aujourd'hui d'éviter les mêmes facteurs d'échec du passé qui ont causé un énorme retard dans la mise en œuvre des différents programmes jusque-là ? Les facteurs d'échec sont connus, c'est-à-dire qu'il y a de la résistance, c'est-à-dire que la majeure partie des acteurs qui sont dans le secteur de l'énergie viennent du fossile ou bien du cycle combiné. Donc ces acteurs-là doivent aussi être accompagnés pour pouvoir donc qu'ils puissent intégrer les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans leur programme. Ce n'est pas incompatible avec ce qu'ils font. Dans beaucoup de pays du monde, les compagnies d'électricité, elles ont toujours été réticentes à l'introduction des énergies renouvelables parce que les gens disent on va avoir des problèmes parce qu'il va y avoir du transfert d'énergie puisque globalement dans le schéma classique vous avez un seul sens, vous avez de la production jusqu'à la consommation, alors que là maintenant on va demander à ce qu'il va y avoir un peu un échange d'énergie, c'est-à-dire que vous produisez, vous consommez et vice-versa. Alors certains disent que le programme de la transition énergétique doit être porté par la société tout entière pour garantir sa réussite, c'est le cas ?
La société doit être sollicitée parce que aujourd'hui, si vous prenez le cas du secteur résidentiel, c'est lui qui représente la plus grande consommation d'énergie. Mais est-ce qu'on peut installer un panneau photovoltaïque au-dessus de sa maison, par exemple? Écoutez, c'est pas le cas actuellement. C'est pas le cas. Produire sa propre électricité dans certains pays, c'est possible. Aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des solutions techniques absolument remarquables. Avant, c'est-à-dire qu'on pouvait dire que pour avoir de l'énergie, il faut l'installer au-dessus de chez soi. Pas du tout. C'est-à-dire que ça peut être dans le quartier. Vous pouvez avoir donc être propriétaire d'une partie, par exemple, de cette source d'énergie qui n'est pas au-dessus de chez vous, mais que vous êtes propriétaire. Il y a un système de calcul et de transfert d'énergie moderne qui fonctionne dans ce domaine-là, qui permet à chacun de pouvoir trouver sa place dans ce domaine-là. C'est-à-dire que les schémas traditionnels qui disaient que pour pouvoir produire de l'énergie renouvelable, il faut l'avoir au-dessus de sa tête, ce n'est pas aujourd'hui le schéma que l'on pourrait reproduire comme ça. Il y a d'autres modèles beaucoup plus efficients. Oui, mais tout le monde pourrait aussi produire sa propre énergie et le revendre, le mettre sur le réseau de transport. Non, le réseau de transport, c'est pour les grosses centrales. C'est plus le réseau de distribution, là où vous avez donc le réseau de distribution. C'est le réseau de distribution. Je vous dis, c'est avec à partir du moment où il va y avoir autour d'une table des discussions sur ces aspects-là et que les pouvoirs publics montrent la volonté de pouvoir changer, on trouvera les solutions qu'il faut pour cela. Est-ce qu'il faut impérativement mettre en place un dispositif législatif nouveau, une loi qui puisse régir tous ces aspects-là, impérativement? Écoutez, d'abord, la première des choses, il faut regarder ce qui existe et commencer à travailler. C'est-à-dire que mais il faut une loi régissant, bien sûr, l'activité des énergies renouvelables pour la définir. Pas spécialement. C'est-à-dire que si je prends le cas de ce que je vous ai cité, le cas de l'agriculture, quand on a fait on a regardé la réglementation, elle autorise cela. Et quand on discute avec ceux qui sont chargés de la mettre en place, ils disent que c'est possible. Seulement, quand on dit pourquoi on ne la fait pas, parce qu'on dit que c'est une réglementation qui a été établie pour le secteur public. Et dès qu'il s'agit du secteur privé, on se dit « Ah non, ça ne peut pas marcher, il faut créer une réglementation ». C'est quand vous créez une nouvelle réglementation, c'est encore du temps parce qu'on le voit pertinemment. Quand vous avez une loi, ensuite il faut des décrets, il faut des arrêtés. Et ça prend des années. Hein. Alors, autre question, moi je voudrais aborder avec vous, et qui est aussi d'actualité, on en a parlé même avec le professeur Chemseddine Chitou, qui est ministre actuel, bien sûr, du ministère de la Transition énergétique. Faut-il aussi revoir certaines choses, certaines dispositions, lever la situation de monopole qu'exerce actuellement Sonalgas sur la distribution de l'électricité? Qui était un distributeur qui est devenu producteur? Non, la distribution, elle est toujours dans la distribution. C'est-à-dire que la SADEG, elle est toujours dans la distribution. La partie de la production, elle est libre. Seulement, comme les tarifs sont très bas, donc il n'y a personne qui va venir investir dans ce domaine-là. Même pas les étrangers? Même pas les étrangers. Donc, ils ont essayé à plusieurs reprises et ça ne marche pas. Parce que dès que les gens vont pouvoir produire à un certain tarif, et que si vous voulez que ces gens-là puissent rentrer, il faut que vous acceptiez ou que vous négociez les tarifs qui pourraient aller dans ce domaine-là. Maintenant, en ce qui concerne la distribution, le problème que nous voyons au niveau de la distribution, c'est que c'est une entreprise qui est déstructurée financièrement, et donc qui fait que chaque fois qu'il y a un appel pour que quelqu'un puisse venir se connecter, soit pour consommer ou produire de l'énergie, c'est toujours considéré comme un sorte de coût. Alors que dans le monde entier, si vous avez un distributeur, lorsqu'un client vient veut se raccorder chez vous, c'est un client parce que ça va vous permettre de gagner de l'argent. Donc ça, le fait entre le prix qui est payé pour l'achat de l'électricité et le tarif avec lequel c'est vendu, cette différence fait que l'entreprise ne pourra pas s'en sortir, et à chaque fois il faut injecter de l'argent pour pouvoir donc la soutenir. Donc cette question-là va revenir régulièrement tant qu'on n'aura pas réglé le problème. Comment on va pouvoir protéger la population
dans ce domaine-là, tout en augmentant les tarifs de l'électricité et du gaz. Alors cette politique ne pourrait jamais aboutir, c'est la question de l'auditeur, tant qu'on ne change pas le modèle de consommation, supprimer totalement le GPL. Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que je pense que cette histoire de GPL, nous sommes un des producteurs mondiaux dans ce domaine-là. C'est-à-dire que normalement, on devrait dire à tout le monde il faut rouler au GPL. C'est parce que on entend souvent un pays comme le Brésil, qui a donc, grâce à la canne à sucre qu'il produit, il produit aussi du carburant. Et donc, toutes ces voitures. Mais ça reste trop cher par rapport au GPL. Ça va rester trop cher par rapport au GPL. Le GPL, c'est un produit que nous avons chez nous. Ça veut dire qu'on doit le faire. Or, notre pétrole, c'est un pétrole léger. Ça veut dire que le gasoil, il est importé. C'est-à-dire que c'est un non-sens de continuer à consommer du gasoil alors que nous avons la possibilité d'aller vers le GPL. Alors, concrètement, comment le basculement vers l'énergie renouvelable va être bénéfique pour notre pays sur le plan financier? On va l'exporter à la place du pétrole. Pour qui et comment? Puisque vous dites qu'il va remplacer le pétrole qui connaît beaucoup de fluctuations sur les marchés internationaux. Écoutez, il ne va pas remplacer le pétrole, il va être complémentaire au pétrole, parce qu'on ne pourra pas se passer du pétrole. C'est un mix énergétique qu'il s'agit de construire. Et puisqu'on parle aujourd'hui de sécurité énergétique. Donc c'est un mix énergétique qu'il faut construire. Ensuite, il va y avoir l'introduction des énergies renouvelables. On va économiser du gaz. Aussi, il va y avoir beaucoup d'orientation au niveau de la locomotion qui va être électrique. Ça veut dire que là aussi, on n'aura pas besoin de plus de carburant. Et ça veut dire que tous ces éléments-là sur lesquels on peut travailler, on a des possibilités importantes, surtout au niveau de la création de postes d'emploi. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier dans tout ce que nous faisons. Alors, on doit encourager la communauté industrielle à intégrer les énergies renouvelables dans leurs installations. On peut commencer comme ça déjà? Oui. Il faut mettre en place les mécanismes pour cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des industriels, par exemple, qui ont des surfaces sur leur toiture qui sont donc là inutilisables. On peut les exploiter pour installer des panneaux solaires, par exemple, produire. Surtout que la production, elle correspond au moment où nous avons de l'énergie. Donc, il y a une bonne adéquation entre les deux. Est-ce qu'il faudrait aussi aller vers des partenariats avec des pays qui ont réussi dans ce domaine, ils sont en train de réussir, comme par exemple, si on prend la Malaisie ou Singapour que vous avez comme exemple par cet auditeur, M. Bourhal Fayyi ici. Le partenariat est incontournable, seulement il faut le laisser. C'est le même principe pour le pétrole. Il faut le laisser aux entreprises. Ça, c'est l'État. Libérer le marché. Voilà, l'État doit mettre les conditions pour que les investisseurs locaux, puissent les industriels, les acteurs locaux puissent se faire ces partenariats. Parce que c'est eux qui sont en mesure de le faire de manière efficiente. Alors, autre question de l'auditeur, l'ambition de l'Algérie, c'est exporter l'équivalent de 5 milliards de dollars. C'est un potentiel qu'on pourrait mettre sur les marchés internationaux. Écoutez, parce qu'il y a une forte concurrence dans ce domaine. Si on prend cet aspect beaucoup de pays mitoyens ont concurrence. Si on prend cette histoire d'exportation, vous savez, par exemple, aujourd'hui, il y a la finance verte qui nous permet de gagner de l'argent dans ce domaine-là. Et on ne les met pas en œuvre. C'est ça le drame que nous avons chez nous. C'est-à-dire qu'on a toujours été subjugué par le fait que c'est l'État qui fournit l'argent, c'est l'État qui fournit les financements, les subventions, tout ça. Alors que là, il faut mettre en place d'autres mécanismes. C'est-à-dire que chaque fois que vous produisez un kilowattheure à partir des énergies renouvelables, que vous ne le faites pas avec de l'énergie conventionnelle, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des certificats. Et ces certificats, vous pouvez les vendre à l'échelle internationale. Et donc, ça va vous faire des rentrées d'argent. Mais sur le plan du discours et de la concrétisation, on a été aussi, au niveau, par exemple, régional, un des premiers pays à installer sa première centrale photovoltaïque. Et aujourd'hui, on accuse le plus grand retard au niveau de la région. Écoutez, il n'y a jamais eu de premier. Vous êtes premier aujourd'hui, demain, vous pouvez être le dernier parce que vous n'avez pas suivi le rythme sur lequel que vous vouliez impulser dans ce domaine-là. Donc, ce n'est pas un élément d'appréciation. Ce qui est important à considérer, c'est le fait que
ces énergies renouvelables doivent d'abord être au bénéfice du pays, doivent d'abord apporter des solutions techniques et économiques. Et nous économiser le gaz qu'on exporte à bien sûr, milliards. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, ça le plus important. En 2023, sûr. On va tout consommer au niveau localement. Voilà, mais ça, il faut des actes dans ce domaine-là. Et une fois que nous aurons entamé cette démarche-là, à ce moment-là, on pourra aller très très vite. Finalité, il faut agir vite. Il faut commencer déjà et après agir vite. Monsieur Yaïssi Bourkhalfa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end, à bientôt. Merci. Au revoir. À vous. Bon week-end.